L'enfant du quartier populaire de Kshida dans la ville de Betna n'hésitait pas à fusionner les différents genres musicaux avec ceux du terroir, notamment la musique rock avec, bien sûr, la musique Shaoui, en suivant, bien sûr, les pas de Jamel Sabri. Flashback, on écoute Jamel Sabri. Entre 1992 et 2009, le Rossignol des Aurès enregistrera cet album. À force d'entraînement, son timbre vocal a gagné pureté et vigueur. Et son dynamisme, bien sûr, et sa bonne humeur lui a permis d'occuper la scène nationale et parfois même internationale lors de tournées. La vedette de Ouled Chilih portait en lui l'amour de son pays, rassemblant autour de lui des milliers de fans de toutes les régions de l'Algérie. Bledi et Bledi. والفرحة
زيري بقيمة والشان ونيفي طالع من زمان ولاد بلادي يا شجعان يا شجعان وفرحوا معايا الليلة بلادي أول فارس لحم بعيد زغرتي عليه يا الجزاير والفرحة كل يوم تزيد والفرحة كل يوم تزيد Fidèle à ses amitiés, à ses fans, mais aussi à la culture qu'il défendait dans ses différentes productions, Kachola Erahmou avait beaucoup de projets pour la musique algérienne. Malheureusement, la mort l'a emporté suite à un tragique accident de la circulation. La Erahmek, ya Kacho.
C'est déjà la fin de ce numéro de Fréquence Musique de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Canal Algérie. Restez-nous fidèles. D'ici là, talafer wahkoum. Salam. Oh, oh, oh.